Salut tout le monde, c'est Amel Bens qui est avec vous. Euh, alors en fait par cette vidéo, je voudrais répondre à une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle euh, Le Petit Scribe. Alors au départ, le petit scribe nous a bluffé par ses vidéos euh, où il fait très bien l'analyse de la place des musulmans dans la société française, la place de l'islam en France. Et ensuite, petit à petit, il commence à, il commence à, à se présenter euh, et dire pourquoi il n'était pas musulman alors qu'il était issu d'une famille musulmane. Euh, et il essaie de justifier par euh, divers arguments. Euh, dans la dernière vidéo, donc dans sa da dernière vidéo, il a, il a avancé plusieurs arguments pour justifier le fait. Euh, qui a, euh, le fait qu'il n'était pas musulman. Alors en fait, euh, ces arguments qu'il a avancés euh, sont complètement euh, euh, impertinents, donc euh, ils, ne, ils ne sont pas convaincants du tout, euh, et surtout euh, des, des arguments complètement euh, superficiels et qui ne prennent pas en compte euh, l'histoire de l'islam, euh, l'histoire des musulmans dans le monde. Euh, depuis 1400 ans, et euh, il ne prend pas en compte euh, non plus euh, le, les aspirations et euh, la situation des musulmans d'aujourd'hui. Alors, ensuite, c'est une analyse euh, qui provient d'une personne euh, qui n'a jamais vécu dans un pays arabe euh, musulman, donc je suppose, hein, d'après ce que j'ai vu. Euh, donc, je pense que c'était une personne d'origine maghrébine qui est née en France. Et euh, il n'a jamais appréhendé l'islam dans un pays euh, à 100% musulman. Alors en fait, euh, bien sûr, lorsqu'on est dans une société non musulmane, on est on est forcément influencé par euh, par les, euh, par la pensée, par les dogmes de ce, du, du pays non musulman, euh, par les médias, par par la philosophie euh, des Lumières. N'est pas forcément euh, la meilleure, euh, et, euh, et si on n'a pas vraiment une, une, une culture euh, solide euh, dans la religion islamique. Euh, si on ne maîtrise pas le fiqh, si on ne maîtrise pas la lecture euh, approfondie du Coran, euh, ben, euh, forcément on, on, est, on exprime une opinion euh, complètement superficielle euh, sur la religion islamique. Alors, donc les arguments qu'il avance, je, euh, je vous laisse écouter euh, ces arguments. Alors, le premier argument utilisé, c'est que l'islam n'est pas universel. Alors, ça, euh, il se trompe complètement. Euh, alors, si l'islam n'était pas euh, universel, alors dites-moi comment il s'est propagé dans le monde, donc à, à la vitesse de la lumière, un euh, milliard et demi de musulmans dans le monde, alors dites-moi comment l'islam s'est propagé en dix ans entre la péninsule arabique au nord de l'Afrique. Euh, il s'est propagé même en euh, euh, Asie, euh, dans des contrées lointaines, en Chine. Euh, Dites-moi comment il a fait. Hein, donc, euh, euh, une, une telle propagation ne peut pas être justifiée uniquement par euh, l'utilisation le, par, le, par, le, par de la force. Alors, si l'on si regarde comment l'islam est arrivé euh, au nord de l'Afrique et comment les gens ont adhéré... Euh, naturellement, euh, de manière très spontanée, euh, à cette religion. Euh, la, en fait, la réponse, euh, comment ça se fait que l'islam s'est propagé euh, dans le nord de l'Afrique, euh, au nord de l'Afrique, euh, tout simplement parce que euh, l'islam a apporté une réponse spirituelle aux gens, une réponse euh, euh, juridique, euh, au code de la famille, euh, au code pénal, euh, à la question de l'héritage. Euh, L'islam a apporté de l'ordre dans la vie des gens, euh, une bonne hygiène, une vie euh, rationnelle, équilibrée, euh, et, et il, a, a pu, il a pu assurer une équité euh, au niveau donc de la vie de famille et la vie de la communauté. Donc en fait l'islam sa force c'est sa rationalité. C'est une religion, une religion très très rationnelle. Euh, D'où la dimension universelle. Donc on ne peut pas nier euh, la, la dimension universelle à la religion islamique. C'est complètement euh, complètement irréaliste et complètement euh, injuste par rapport à cette religion. Ensuite, euh, deuxième argument qu'il a avancé, le deuxième argument, c'était euh, que l'unité politique est irréalisable. Donc si l'unité politique est irréalisable, donc l'islam ne peut pas euh, se tenir, ne peut pas se maintenir, parce que cette unité politique est impossible. Euh, alors, pourquoi il y a. Moi, franchement, -cet, cet argument, il est complètement euh, euh, déraciné, parce que c'est un, un argument qui ne prend pas en compte l'histoire de, de l'islam et l'histoire de la politique euh, de l'islam, tout simplement parce que c'est un argument qui ignore complètement l'histoire. Euh, il faut savoir que l'islam est enraciné dans, dans l'histoire avec un grand H. Donc l'islam a pu réaliser dans le passé son unité, son unité politique euh, plusieurs fois même. Donc euh, l'unité politique a été, réal, a été réalisée sous le califat Mayad, euh, qui n'est pas rien. Hein. Donc le califat Omayyad qui a dû, donc, il a dû durer au moins... Euh, au Moins 100 ans, donc il est donc c'est un, un califat qui a duré de, de 661 euh, jusqu'à 750. Euh, donc, quand même, les musulmans ont pu réussir leur, uni leur unité politique pendant quand même euh, plus qu'un siècle. Euh, ensuite, euh, après les Omeyyades, il a eu le califat abbasside, euh, qui était un califat sunnite. Il a gouverné le monde musulman de 750 à 1258. Donc, donc après le califat abbasside, donc euh, il a eu le déclin, c'est vrai, du monde musulman. Mais après, ça a été repris par le califat euh, ottoman. Donc, en fait, euh, si, si l'islam, si les musulmans ont pu réussir leur unité dans le passé, euh, rien ne les empêche de, de, le, de le refaire, de relancer cette unité politique au présent et dans un avenir proche. Euh, donc c'est complètement, et d'ailleurs il y a eu plusieurs tentatives dans l'histoire pour relancer cette unité politique alors, bien sûr, vous allez me dire, cette unité, euh, elle, est, elle est irréalisable. Euh, euh, donc, euh, parce que les musulmans sont très divisés. Ben, c'est vrai. Je, je ne dis pas le contraire. mais il faut savoir aussi, euh, il, faut, euh, il faut admettre un constat objectif et scientifique, que le monde musulman n'arrive pas à faire son unité politique. non pas parce qu'il manque de volonté. non pas parce que. Il n'y a pas, euh, il a pas des, des, des leaders qui sont capables de, de réaliser cette unité parce qu'il y a un véritable complot contre le monde musulman. Il y a un véritable complot contre le monde musulman pour le diviser et le fragmenter. Et surtout, euh, en lui insufflant le virus de Taïfia. Ça veut dire, en fait, ces histoires entre chiites et sunnites qui marquent, qui déchirent le Proche-Orient, euh, ne, ce n'est pas, c'est une histoire... Euh, qui cette, cette, cette histoire qui en fait cette division qui empêche le Proche-Orient de se réunir de s'unifier et en plus euh, maintenant au, ma au niveau du Maghreb euh, les adversaires du monde musulman euh, essayent enfin qu'ils essayent hein, mais ils essayent de euh, d'insuffler le, le virus euh, de du peuple berbère comme quoi le retour à, à la barbarité à l'origine, et que l'islam était, euh, était, était un intrus, euh, un corps étranger dans la, dans la culture euh, de l'Afrique du Nord. Donc, du coup, on peut pas dire cette unité est réalisable. Elle est réalisable, mais dans des conditions. Hein. Donc, si vous regardez comment euh, comment euh, l'empire musulman a pu se constituer à l'époque de Abu Bakr et à l'époque d'Omar. Euh, c'était euh, parce que les, les conditions, les circonstances étaient favorables. C'était le déclin de l'Empire romain et c'était euh, la fin de l'Empire persan. Donc en fait, dans ces conditions-là, euh, l'Empire musulman a pu se reconstituer et il a pu euh, de faire des expansions et euh, constituer tout un empire. Donc en fait, si les musulmans aujourd'hui n'arrivent pas ont du mal à se réunir, à s'unir, à, à constituer à leur empire, parce que les conditions ne sont pas favorables, tout simplement. Euh, y a pas, on ne manque pas de volonté. Il y a de la volonté, on a des hommes, on a des femmes qui sont capables, qui sont capables de euh, faire bouger les montagnes. Alors, ensuite, votre deuxième argument. Euh, vous dites cette religion est inapplicable, irréalisable, sous peine d'être euh, tout le temps pécheur, mais en fait, vos propos s'appliquent à toutes les religions. Il n'y a aucune religion, qu'elle soit l'islam, le christianisme ou le judaïsme, euh, est applicable à 100%. Ce n'est pas possible qu'on applique une religion à 100% parce que la religion, c'est une théorie euh, utopique. En fait, c'est quelque chose qui. Ce sont des valeurs très très nobles, des valeurs très très hautes. Et euh, l'être humain ne fait que, que essayer de se maintenir dans la vertu et il essaie de, euh, euh, de, de vivre dans la piété euh, afin d'atteindre euh, un degré. Donc, un degré de, de, cette, de, cette, de cette valeur. Donc, en fait, ce que vous dites sur la religion musulmane, comme, comme quoi elle est réalisable, elle est inapplicable, bah, vos propos peuvent s'appliquer sur n'importe quelle religion, parce que toute religion aspire euh, un degré de pureté, un degré euh, de, de perfection, euh, difficile à atteindre. Donc du coup, euh, que fait l'être humain ben, L'être humain fait euh, de son mieux pour s'approcher de la voie de Dieu. Euh, donc euh, votre argument est complètement impertinent et complètement euh, euh, partiel parce que euh, ce que vous dites sur l'islam, euh, il, euh, il va de même pour les autres religions. Alors en fait, votre raisonnement c'est que ou bien, euh, ou, bien je, ou bien je deviens un musulman à 100%, ou bien, ou bien rien. Donc en fait, un raisonnement qui dit je veux tout sinon rien. Donc euh, c'est un argument, euh, je trouve, complètement enfantin, euh, puéril, euh, très impertinent parce que euh, c'est vrai qu'on ne peut pas être musulman à 100%, euh, tout le monde pêche, même par le regard il euh, n'y a pas des il a pas une musulmanité à 100% euh, chacun fait de son mieux pour euh, pour s'approcher de la de la de, la de dieu donc en fait euh, euh, et en fait, vous dites l'autre argument que vous avancez euh, si on est musulman dans une, dans une société civile qui n'est pas musulmane, euh, mécréante et qui ne respecte pas l'islam, euh, ça veut dire qu'on vit dans le péché. Eh bien, non, on peut être musulman euh, on peut conserver, conserver sa musulmanité tout en vivant dans une société civile. Euh, qui n'est pas forcément musulmane. Et euh, de toute façon, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui heurtent la sensibilité des musulmans, mais le musulman essaie de son mieux d'éviter euh, ces choses euh, qui heurtent sa sensibilité et euh, son éthique. Donc de toute façon, votre argument, ça veut dire être musulman à 100% sinon rien, euh, c'est un, un argument complètement superficiel, et euh, pour la raison, euh, pour la simple raison, que personne ne peut échapper au péché, euh, quels que soient ses efforts, quelle que soit sa piété, donc tout le monde pêche, y compris par le simple regard, par le simple... Euh, euh, par le simple euh, le, par le simple de penser à quelque chose qui, euh, qui n'est pas conforme euh, à l'islam. <coughs> Donc en fait, vous dites, euh, ça ne sert, sert, sert à rien à rester musulman dans une société qui n'est pas musulmane, euh, c'est un péché grave. Ben non, moi je trouve que c'est bien d'être musulman dans une société qui n'est pas musulmane, et c'est grave de, de perdre sa foi. Euh, et de ne, de, de ne rien faire et d'abandonner de, de, sa musulmanité euh, sous prétexte que la société euh, dans laquelle on vit n'est pas musulmane. Alors, donc, euh, je vais donner des exemples. Donc, en fait, on sait bien que les messagers et les prophètes ont toujours vécu dans des sociétés, euh, des sociétés mécréantes qui, qui, qui ne nous, qui nous correspondaient pas à leur message et à leur, euh, à leur donc, euh, religion. Et pourtant, donc ces messagers, ils ont dû euh, persévérer et euh, ils ont dû euh, donc euh, se battre pour euh, triompher la vertu. Donc, si vous prenez l'histoire de Lot, euh, qui s'est battu contre une société euh, qui pratiquait la sodomie, euh, qui pratiquait euh, donc le libéralisme sexuel à outrance, ben Lot, il a, il a pu à la fin se, se sauver de, de la catastrophe finale. Si vous prenez euh, l'histoire du prophète Nour, Noé, ben Noé euh, il, a, il, a, il a essayé de, de, donc de montrer la, la voie divine euh, aux gens de sa société. Ça n'a pas marché. Et c'est lui, donc il a pu préserver sa religion, il a pu préserver euh, sa vertu. Et c'est ainsi qu'il a pu se sauver. Euh, le, se sauver et euh, donc, euh, il a échappé à la mort et, et, et il a échappé au déluge. Donc en fait, euh, l'islam est une religion qui aspire vers les valeurs les plus nobles et notre effort humain consiste à essayer de se hisser, euh, d'approcher euh, tant soit peu à la bonne voie qui conduit à Dieu. Donc en fait, euh, vous dites aussi que les musulmans sont dans une grande impasse. Bah, pas du tout. Euh, je pense que c'est vous qui, euh, qui vous êtes dans une impasse, que c'est vous qui subissez une crise de foi et euh, et on, euh, j'ai l'impression que tout ce que, vous, euh, tout ce que vous vivez de déchirement entre, euh, entre la religion et la société euh, vous euh, vous le projetez sur les musulmans. Euh, à mon avis, c'est une vision assez subjective des personnes musulmanes. Alors donc je trouve vos arguments complètement légers, complètement essentialistes, ça veut dire tout ou bien rien. Et je suis d'accord avec avec Monsieur Mathmati qui vous a répondu également. En fait, il y a deux types de péchés. Il y a deux types de musulmans dans la société non musulmane. Le musulman qui a qui est dans la transgression, donc celui, donc il assume la transgression et il fait comme les et il se plaît dans cette voie, donc lui euh, il, il commet le grand péché. Et euh, le musulman qui essaie de se préserver et qui réprouve le péché et qui en même temps il s'intègre à la société française. Tout en se préservant euh, de des péchés. Donc, euh, je rappelle que après tout, la société française n'est pas. Il euh, y a du, du bien, et du mal dans cette société. Donc, en fait, on, on s'adapte à tout ce qui est bien. Donc, on participe à, tout, à toutes les bonnes choses et bien sûr les choses qui sont qui sont contraires à la sensibilité musulmane, qui sont contraires à son éthique. On essaye de, de s'abstenir euh, et tout en respectant les autres. Donc en fait, euh, voilà, donc je trouve les arguments sont impertinents, dangereux pour nos enfants-adolescents euh, qui, euh, qui sont tout le temps à, à l'écoute des réseaux sociaux et qui se font influencer par des gens qui, qui, euh, qui, qui vivent des, une crise de foi, qui, qui développent un discours sceptique et, et vraiment vide de l'intérieur contre donc l'islam et contre les valeurs de l'islam et ça c'est c'est vraiment c'est très mauvais et ça a une influence ça peut influencer notre jeunesse euh, finalement moi je, je, je me pose la question sur votre chaîne sur vos vos vidéos euh, je voudrais savoir quel est votre but finalement. Euh, quel est le but de votre chaîne Est-ce que vous voulez euh, euh, consolider la, la foi des musulmans ou bien vous voulez euh, euh, les interroger et les rendre encore plus sceptiques Donc, ça, c'est. Euh, je trouve que. Euh, je de... enfin, franchement, à, à force de regarder vos vidéos, je commence à devenir très sceptique par rapport à votre euh, chaîne et euh, à, aux objectifs de votre entreprise. Euh, voilà, je vous laisse et j'espère que j'ai bien répondu au petit scribe. Euh, et voilà, donc Inch'Allah, dans une prochaine vidéo euh, avec Amel Vance Chanel. Et n'oubliez pas quand même de liker et de vous abonner euh, si euh, mes vidéos vous plaisent.